J'arrive au grand virage piétonnier. Là-bas, je vois Illig avec sa mosquée. Si on la voit, le mosquée de Sharaf, le mosquée de Talsport. L'autre fois, je suis allé sur le village là-bas, en haut, sur la colline, en courant de l'avenue Hassan II. J'ai fait tout ça. L'avenue Hassan II, elle doit être par là, là-bas. J'ai fait tout ça en courant jusqu'à la montagne. Et après, je suis revenu. Voilà. Quand on veut un peu, avec l'entraînement, bien sûr. Hein. Si vous commencez à marcher et courir, essayez un kilomètre au début. Après, vous augmentez progressivement, peu à peu. Moi, si j'arrive à faire les marathons, hein, 42 km, 180 mètres. C'est que j'ai d'entraînement. Même si vous faites 1 km, 2 km en marchant, en courant, c'est bon. C'est une victoire sur soi-même. Hein. Et ça fait du bien au corps, au cœur, aux muscles, jambes, à tout. Tout votre corps. Et du bien à votre esprit. Il suffit de marcher 35 minutes. 38 minutes, par exemple tous les jours, et vous allez avoir la forme. Hein. C'est un bienfait pour votre corps. 35-40 minutes de marche par jour, impeccable. Après, si vous marchez plus, c'est encore mieux. Ou vous courez plus, c'est encore mieux. Après, bon, ils ont calculé, les scientifiques, à partir de 35-38 minutes, ça commence à être bénéfique. Après, il y en a qui n'aiment pas le sport, hein. Ça peut se comprendre, hein. C'est un effort. Et beaucoup de personnes se découragent. Mais il faut persévérer. Essayer, re-essayer, et progressivement augmenter, ou même si vous restez au même nombre de minutes, de kilomètres, c'est bien. Faites du sport. Après, peu importe le temps que vous allez mettre, l'important, quoi, le temps que vous allez mettre, c'est-à-dire, il y en a qui essayent de courir vite, tout ça, de faire le plus de kilomètres que le mètre en courant le plus vite possible.
mais votre cœur il s'use. Vaut mieux le faire à votre rythme, tranquille, et progressivement augmenter. Et quand on est jeune, c'est sûr, on veut faire des temps, mais après, bon, on comprend que ça sert à rien, puisque on ne peut pas rattraper le temps. Le temps, il va plus vite que nous. Donc ça sert à rien. Ce qui est bénéfique, c'est de faire du sport, d'entretenir sa forme. Et voilà. Et qui ménage sa monture ira loin. Je suis presque arrivé en haut de la Casbah, ou à celle-là. Super bar gagné, grand. Le soleil tape, hein.